Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui François Gaillard, qui est directeur général chez Only Lyon Tourisme et Congrès. Bonjour François Gaillard. Bonjour Guillaume Lamy. Alors, météo capricieuse, pour ne pas dire maussade, instauration du pass sanitaire, comment s'est passée la saison touristique à Lyon cet été 2021? Plutôt bien. On est vraiment satisfait de voir cette reprise. On ne l'attendait pas aussi importante, pour être très honnête. Ça prouve que le modèle lyonnais est un modèle tel qu'on l'a construit, très résilient, beaucoup plus que le modèle parisien, par exemple, qui a beaucoup souffert cet été. Nos clientèles nationales ont été de retour, pas mal de nos clientèles européennes aussi, beaucoup de Belges, d'Allemands, de Suisses, de Néerlandais, qui nous ont permis de faire un très bel été, un très beau mois de juillet, un mois d'août. Alors, si on doit donner des chiffres, si vous avez quelques chiffres à nous donner. On n'est pas tout à fait au niveau de 2019, qui a été une année exceptionnelle, avec notamment l'accueil de la Coupe du monde féminine de foot. Mais on n'en est pas très loin, je dirais, à encore 20, allez, 15-20 points d'une année parfaite. Donc plutôt un bilan touristique satisfaisant pour 2021. Vous l'évoquiez tout à l'heure, clientèle, c'était quoi? Une clientèle majoritairement nationale ou intra-régionale? Oui, alors vous savez que la clientèle lyonnaise habituellement est déjà très domestique, hein, une clientèle française très présente. Cette année, c'est principalement la clientèle long courrier qui nous a fait défaut, nos Américains, nos Canadiens, qui avaient l'habitude de nous rendre visite et qui n'ont pas pu le faire par la force des choses. Donc ça laisse présager encore de belles choses pour les semaines qui viennent. On sait qu'ils seront de retour, on l'espère, sur la fin d'année. Et puis notre véritable rentrée touristique, elle se fera là, dans les prochains jours, avec le retour du tourisme d'affaires. Parce que, alors justement, j'avais cette question, mais si on fait un peu des prévisions de septembre, est-ce qu'on a une belle arrière-saison qui va être annoncée sur Lyon en termes touristiques? Oui, même si je modifierais vos propos, pour nous, ce n'est pas l'arrière-saison, c'est la vraie saison C'est la qui vraie saison. commence. Parce que l'été, juillet, août, ce n'est pas vraiment une forte saison pour nous. Lyon n'est pas une destination de vacances, à proprement parler. C'est une destination de court séjour qui a tendance à être plus calme en été. Mais notre vraie saison, elle commence en septembre et elle s'étend jusqu'au mois de juin. Donc c'est là, c'est pour ça que je vous parlais de rentrée touristique, qu'on va vraiment se rendre compte si notre modèle reprend tel qu'on le connaissait, avec un tourisme urbain qui va remplir nos week-ends, et puis ce tourisme d'affaires, congrès, salons, conventions d'entreprise, qui devrait reprendre de manière très forte là, septembre-octobre, et qui fait 65% de notre activité. 65%. Vous parliez de modèle lyonnais. Comment vous pourriez synthétiser ce modèle touristique lyonnais qui effectivement porte ses fruits? C'est un modèle qu'on a souhaité depuis une quinzaine d'années maintenant, sur un développement vraiment durable au sens noble du terme, c'est-à-dire préservant un triptyque qui va toucher à la fois la prospérité des entreprises, évidemment la qualité d'accueil des visiteurs, mais aussi et surtout la qualité de vie des habitants. On veille à ces trois aspects-là et à ce que les équilibres soient respectés, de manière à ce que ce système soit toujours prospère, au profit de tous et sans que une population soit lésée au profit d'une Oui, autre. donc au final, il n'y a pas eu de révolution. On avait parlé de révolution du tourisme à l'aune de la pandémie. Il n'y a pas eu de révolution du modèle touristique lyonnais. Il y a de vraies avancées depuis quelques mois avec le nouvel exécutif notamment, puisque la métropole est extrêmement dynamique sur le développement d'un tourisme plus responsable. Donc effectivement, nous avions commencé à prendre certains tournants, mais les choses se sont largement accélérées depuis ces derniers mois. On est en train de bâtir avec la métropole un schéma directeur du tourisme responsable Prévu pour les pour cinq. novembre, Voilà, pour c'est ça? novembre, pour les 5 prochaines années, qui nous permettra de vraiment prendre de l'avance sur les autres destinations européennes et rejoindre la qualité d'accueil et la vision touristique que certaines Et alors, un petit destinations mot sur ce scandinaves ont. schéma directeur du développement du tourisme durable, donc qui devrait voir le jour en novembre. C'est quoi? C'est quelque chose qui va définir le tourisme pour les 5, les 10 prochaines années? Oui, un tourisme vraiment plus inclusif, plus respectueux de l'environnement, plus social, un tourisme qui nous permettra dans 5, 10, 15 ans de continuer à vivre correctement de cette activité, de cette industrie, mais tout en préservant notre environnement, la qualité de vie de nos habitants et puis évidemment la planète dont nos enfants profiteront demain. Oui, donc on peut parler d'un modèle lyonnais en termes touristiques, Oui, un clairement. modèle qui n'a pas du tout cherché à suivre les modèles de Barcelone ou d'Amsterdam. Avec un touriste de masse, on va Exactement, lui. qui n'a jamais vu dans le tourisme chinois, par exemple, une opportunité incroyable et qui n'a jamais souhaité aller dans ce sens-là toutes ces dernières années. Et aujourd'hui, on s'en félicite.
Donc on est vraiment sur un tourisme de proximité, tout en, si je vous écoute bien, en conservant les clientèles long courrier, notamment américains. Oui, ces clientèles très fidèles, comme les Américains, les Canadiens, qui viennent nous voir depuis de nombreuses années maintenant, et qui ne viennent pas en France que pour aller à Lyon, bien sûr. Donc de toute façon, ces clientèles seraient venues. Il est important que Lyon s'inscrive dans leur visite. Cependant, on va plus privilégier, oui, effectivement, un tourisme plus proche, je dirais dans un rayon de 2 heures autour de Lyon, voilà, que ce soit en France ou en Europe, ce qui nous semble beaucoup plus vertueux. Allez, dernier petit mot sur les World Travel Awards. Lyon était la seule ville française à avoir été nommée à ces Oscars du tourisme. Est-ce que Lyon a une chance? Lyon a toujours une chance, on s'est battu en tout cas pour faire savoir auprès des professionnels du monde entier qu'on était une destination magnifique et avec beaucoup de projets et avec un modèle, comme je viens de le citer, complètement alternatif. Les votes viennent de se terminer, voilà, donc on saura dans un mois si, face à toutes ces destinations prestigieuses, Lyon a réussi à faire entendre sa voix. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de désir de Lyon et c'est pour ça qu'on a voulu jouer notre Eh carte. bien, nous vous réinviterons à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup François Gaillard d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de 6 minutes chrono et d'ici là, portez-vous bien.